Je dis à position nous comme coalition des organisations de base et des partis politiques, nous avons de très grandes préoccupations par rapport à Conseil 7 membres qui est installé en dedans pays d'Haïti. Par rapport à des visages emblématiques dans la classe politique là, je dis à nous 10 moun sa yo qui représentent la population. Je dis à nous même comme coalition des organisations de base, nous avons de très grandes préoccupations. Tant que le phénomène insécurité à Cap Valley terrain, tant que insalubrité qui envahit la capitale, les gens qui ne sont pas capables de aller dans le nord, aller dans le sud, vaquer avec l'occupation, l'école là qui a plus passé 2 à 3 mois depuis qu'il est fermé, un paquet de parents qui payent l'école, petit qui pas arrivé à jouer une paix de restriction comme ça doit. Tout ça a préoccupé nous. Moi, je pense que la classe politique là, c'est le moment opportun pour créer ça, une brèche de dialogue, parce que c'est la première fois que la classe politique là, chita autour d'une même table, yo installé un conseil présidentiel. Nous, c'est presque tout secteur qui est représenté en dedans. Nous, dit conseil 7 maintenant, il faut que vous penchiez sur la question de la vie chère, sur la question de monde qui n'a pas qu'à manger en dedans le pays. Je dis à on est qui te gagné 100 dollars, je dis à pas qu'à bon spaghetti. On est qui te gagné 1000 goudes ou pas qu'à manger un diri à graisse la caillou à Carançon. Je dis à fort conseil 7 membres venir avec un plan Marshall par rapport à Jean pays à craser là plusieurs monde déplacés dans quitter quartier populaire côté au table vivre plusieurs déplacés tant coup Kafou Fey Solino un paquet de famille qui déplacé en dans pays là. Je dis à fort conseil 7 membres ça tenu de moun sa yo qui quitter la caillou qui fait la descente kay moun kap dormi à la belle étoile. Je dis à c'est une importance magistrale pour le Conseil 7 membres ça remise en question des situations lamentables citoyens et citoyennes paisibles à vivre dans la société. N'a exhorté conseil là faut qu'il veille à clair, faut qu'il mette un crible, faut qu'il screene personnage qui vient porter tête à la candidature pour poste premier ministre. Faut conseil là faire remise en question de personnalité qui vient inscrit dans conseil là qui porter candidature pour venir premier ministre pays. Nous besoin un premier ministre, un chef gouvernement qui gagne contre l'ombre climat avec société haïtienne qui gagne ça relé sensibilité populaire pour monde qui vivent dans paysannerie, pour monde qui vivent dans quartier populaire, pour madame Sarayo qui a plus passé 2 ans surtout dans grand site. Yo pa ka vin vendre produit yo, produit que yo cultivé dans la terre, dans jardin yo, yo pa ka vin vendre ni dans capitale là. Jounen jodi a nous y a fon politique exclusion. C'est même politique exclusion ça qui mette nous dans ça nous y a. Dans gouvernement qui pral monter là, faut yo pencher surtout sur collectivité territoriale yo qui sont rôle majeur en dans pays hein. En plus direction générale yo, les organismes autonomes en deux pays, les gens qui pour venir premier ministre pays, ce sont les gens qui sont capables de prendre toutes les revendications massives pour capable porter, pour capable bailler les résultats, pour organiser l'élection en deux pays, pour restaurer ça où elle est, la sécurité sur toute étendue nationale. Les partis politiques qui prennent en deux conseil présidentiel, là, on ne peut pas quitter comme si intérêt personnel. On nous est peuple avant. Nous-mêmes qui militants de base quartier populaire, journée aujourd'hui, l'État qui concerné dans le pays d'Haïti a pris la responsabilité en charge. Pour yon chita parler. Dans tout pays, yon chita parler, yon dialogue. Nous demandons un bon dialogue. Ce n'est pas dialogue pépé pour yon vin faire. On fait un bon dialogue pour tout le monde retourner la caillou. Pour tout le monde qui vit bien. Parce que le pays d'Haïti n'est pas capable encore. Nous demandons à l'État haïtien de prendre conscience de soi pour nous qui ça n'a fait à pays d'Haïti. Nous pas un pays de réchange. La population n'est pas capable de vivre. Et la sécurité n'a pas le terrain. Nous demandons un bon dialogue dans le quartier populaire. Nous demandons à CPA qui est là. On chita parler.